Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite une très bonne année. L'année dernière, c'était l'année de la joie. Nous avons tous vécu quand même de la joie, réussite, expérience riche, des rencontres, de la fête, des fêtes. Je sais très bien aussi que nous avons vécu aussi des tragédies, des attentats, des deuils, des échecs. Pour cette année, il paraît que c'est l'année de la soif. Oui. Bon. C'est vu de façon négative. Mais moi, je pourrais vous le proposer de manière très positive, n'est-ce pas? Moi, je vous souhaite d'avoir soif de la vie. Bon, vivant, c'est un peu simple, ça, quand même, non? Ouais, mais non. Parce que avoir soif de quelque chose, c'est être à la recherche. Être en manque, c'est... Si on n'est plus en manque, si on n'a plus à la recherche de quelque chose, on ne vit plus, c'est plus intéressant. Donc, c'est bien d'avoir soif de quelque chose, soif de justice, soif de liberté, soif de solidarité, de fraternité. Très important la soif. Sinon, je vous souhaite avoir soif. Cette soif nous anime. Moi, je vous souhaite d'avoir soif d'aventure. Tu prends des risques. D'avoir soif de projets, de grands ou de petits, peu importe. L'important, c'est que vous puissiez vous accomplir. Je vous souhaite aussi de rire, de s'amuser, de chanter, de danser. Je vous souhaite d'innover, de créer, d'inventer pour pimenter votre vie. Et qui mettra aussi du sel dans votre entourage. Je voudrais vous partager une petite résolution que j'ai prise là. Pour mes vidéos. Je prends des risques. J'ai décidé de sous-titrer en langue étrangère. Ouais. De les rendre accessibles en anglais, en espagnol et en italien. On va essayer. Je pense que je peux compter sur des amis qui peuvent m'aider à y contribuer. Je vous promets, une fois à la question mi-janvier, hein, je vous répondrai aux questions que vous m'aviez posées sur la surdité, tout ce qui concerne la surdité. En attendant, prenez bien soin de vous et ne restez pas sourd aux vœux.